secondes, monsieur l'agent. Il va très bien, ce costume. Oui. Ça me rappelle mon pauvre Jules. Oui. T'as rien oublié? Mais non, j'ai tout, j'ai tout. Fais voir. Mais non, je te dis, j'ai tout, maman. J'ai tout, regarde. Mais oui, je vais vérifier déjà. Au revoir, ma poule. À ce soir. Bonsoir, mon petit, à ce soir. Te casse pas, ça ira. Hein. Oui. Te casse pas. Salut, pingouin, ça va? Ça va? Ah bah. Salut. Ça va, toi? Dis donc, c'est avec ça qu'il s'est fait refroidir, ton père? Ouais. Et bah, ça m'étonne pas, on le voyait de loin. Hein. Ouais, c'est ma mère qui a voulu. Ah, ah! J'ai encore son épargne! Alors, les raflets du petit matin, intéressant? Petit gibier. J'ai l'impression que Morzini a fait le vide. Hein. Eh, on a quand même l'élégant. Ah oui, c'est vrai, Grégoire l'a chopé aux plumes avec une grande blonde. C'est tout juste si on avait laissé le temps de mettre ses pompes. Envoyez-le moi. On emmène tout le monde, allez. Bon, on y va? Oui, je vais me changer, j'ai amené mes fringues. À tout de suite. Ouais, salut. J'ai rendez-vous avec le divisionnaire Vermillon. C'est l'élégance, hein. On va essayer de se tirer. J'ai le patron tout de suite. Bienvenue à la PJ. Merci, monsieur le directeur. Alors, l'élégant, on a perdu son beau costume? Mais c'est pas mon costume, c'est celui de mon père, tout à l'heure. L'élégant a certainement des tas de choses à nous dire. Oui, je suis content. Nous aussi, on est content. On le sera encore plus quand tu nous diras ce que tu sais. Allons, allons, Zingo, pas de tutoiement. Monsieur l'élégant, ne vous tutoie pas. Alors. Ça fait rien, ça fait rien. Eh bien, vous allez nous parler du grand Roger. Vous avez entendu parler de Roger Morzini? Ah oui. Ah, tu vois. Et vous avez même, je crois, travaillé quelque temps ensemble. Oh non, c'est un malentendu, monsieur le directeur. Dissipons-le. Je ne sais pas. J'étais venu avec le costume de mon père, monsieur le directeur. On t'a trouvé à poil. Avec une grande blonde. C'était peut-être sa mère. Oh non, ma mère, c'est une petite brune. Pourquoi tu foutais le camp, hein? Les interrogatoires doivent être menés avec fermeté, mais sans violence, monsieur le directeur. Mais tu sais que tu nous énerves, toi. Oh oui, oh, ben, je vois bien. Dites-moi, il y a une fille, là, une journaliste, qui voudrait suivre une équipe. Monsieur, vos hommes m'ont frappé, c'est un scandale. Vous voyez bien que nous ne sommes pas fréquentables. Allez, viens là. Vous ne savez pas qui je suis. Je m'en fous. Doucement, les gars, on s'entend plus. Croyez-moi, j'ai le bras long. Et nous, on l'a musclé. Allez, foutez le camp. Je suis désolé, mademoiselle.